Kikui TV Live. L'immeuble, la cause, monsieur le président, est couvert des certificats d'enregistrement depuis 99 au nom de mon client. Je peux vous produire les 10 certificats d'enregistrement. Un sujet libanais, Kok Sokeng, vient en appel au tribunal de grande instance de Kinshasa-Gombe contre la décision rendue au premier degré au tribunal de paix de Ngalima qui lui retirait le droit de jouir de sa parcelle qu'il a acquis auprès de son acheteur, sujet congolais Lomingu, en 1999 dans la commune de Barumbu. Il sollicite du tribunal la reformulation de l'œuvre du premier juge et le déguerpissement de Demba Bokoumou qui occupe selon lui illégalement sa parcelle. Monsieur le président, je n'y vais pas au fond parce que vous êtes tenté de savoir que le sol et sous-sol appartient à l'État congolais. Mon client qui a signé, qui est lié avec l'État congolais, qui est lié, il est concessionnaire ordinaire du fonds. L'État congolais ne l'a jamais dépossédé. Dans l'autre camp, l'association Demba Bokoumou soutient que la parcelle querellée appartenait à son dauphin père Saïdi Bokoumou. À sa mort, ce dernier aurait confié la parcelle à son ami Sidi. Celui-ci l'aurait vendue à Lomingu, qui à son tour va revendre la parcelle au sujet libanais Kok Sokeng à l'espace d'une année. Pour asseoir sa défense, Demba Bokoumou brandit un certificat d'enregistrement. Il soutient aussi que le certificat d'enregistrement brandi par le sujet libanais est un faux. Par conséquent, il sollicite du tribunal l'origine totale de la présente action. Les personnes qui avaient vendu, monsieur le président, la parcelle prétendument querellée, ont été citées devant le tribunal de paix Ngaliema sur les titres de propriété qu'ils détenaient sur la parcelle. Et à l'issue de cette action, les vendeurs du présent demandeur ont été condamnés et les titres qu'ils avaient sur la parcelle ont été confisqués et détruits. Le ministère public, dans son réquisitoire, soutient l'action du demandeur Kok Sokeng. Entre les deux certificats présentés, le ministère public tranche en faveur de celui présenté par le sujet libanais. Contrairement à l'avis du ministère public, le tribunal décide en faveur du sujet congolais. Le président de la Chambre décide pour le renvoi de la cause au tribunal Ngaliema pour procéder à l'annulation du certificat d'enregistrement. Des juges nommés.